À 5 heures du matin, le 21 janvier 1793, la prison du Temple, entourée de neige fondue, apparaît comme un seul bloc dans la nuit. En allumant un feu dans la cheminée, Jean-Baptiste Cléry, le dernier valet de la monarchie disparue, réveille le roi Louis XVI, désormais appelé par les révolutionnaires Louis Capet. Un dialogue s'engage entre le valet et le condamné. 5 heures sont-elles sonnées ? Sire, elles le sont à plusieurs horloges, mais pas encore à la pendule, répond le valet. J'ai bien dormi, j'en avais besoin. La journée d'hier m'avait fatigué. Où est monsieur de Firmont ? Demande Louis XVI. Sur mon lit, répond le valet. Et vous, où avez-vous dormi ? Sur cette chaise. J'en suis fâché, dit Louis XVI. Ah, sire, puis-je penser à moi dans ce moment ? De 6 heures à 7 heures, c'est l'ultime confession avec l'abbé de Firmont dans le cabinet de la tourelle du Temple. Au même moment, plus à l'ouest dans Paris, sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde qui n'est alors qu'un vaste terrain vague, on prépare le rituel. Entre le piédestal de l'ancienne statue de Louis XV et le commencement des Champs-Élysées, un échafaud a été dressé, d'où domine la veuve dont on va retirer aisément le voile. Une grande partie de la ville s'affaire. Un étudiant de Paris note: depuis 5 heures, on entendait le roulement sourd des canons et des caissons, le trot de la cavalerie, le pas régulier de la troupe. C'est un événement qui se préparait. Pour que l'on arrive au 21 janvier 1793, il y eut des précédents qui ont permis l'exécution. Le premier, c'est la fuite à Varennes, qui débute le 20 juin 1791. À 1h20 du matin, la famille royale est prête à partir des Tuileries. Le but de cette échappée était de rejoindre le bastion royaliste de Montmédy pour organiser une contre-révolution. On connaît la suite. Le roi est reconnu à Varennes et ramené à Paris dans un silence de plomb. Au-delà de la fuite, la figure du roi pâlit. L'historien Michelet écrit, quelques décennies plus tard, « La population de Paris se passe du roi à merveille ». Par ailleurs, les institutions révolutionnaires fonctionnent parfaitement, même au niveau local, puisque le roi est arrêté dans une toute petite municipalité. À partir de Varennes, un débat est lancé sur l'inviolabilité du roi. Faut-il séparer le roi de la fonction et en faire un simple citoyen ? Bien plus que le débat, la personne du roi apparaît à beaucoup disqualifiée après Varennes, ce qui entraînera un an plus tard la prise des Tuileries par les sans-culottes et l'arrestation de la famille royale. Bien que la famille royale soit enfermée à la prison du Temple, un procès n'est pas encore acté. Car en novembre 1792, une question suscite tous les débats à la Convention. Le roi de la Constitution peut-il être jugé ? Morisson, un député vendéen et au demeurant légaliste, pense que non. Non qu'il ne le croit pas coupable, mais parce que le roi n'étant plus roi, il ne peut être jugé pour des actes ultérieurs à son abdication. Saint-Just, quant à lui, jeune député de 25 ans, ne plaide pas au nom du droit. Il s'attaque au monarque absolu, qui doit régner ou mourir. Il n'est pas citoyen. Derrière, c'est l'idée de la patrie en danger qui est brandie. Finalement, le procès du roi aura bien lieu, et il se fera comme un procès ordinaire. Beaucoup de députés ne l'avaient pas vu auparavant. Louis Capet a 39 ans. Il apparaît très banal, sans majesté. Il va rater son procès car trop laconique, s'appuyant derrière la Constitution de 1791. Il ne reconnaît pas certaines pièces signées de sa main qui lui sont présentées. Enfin, la ligne des défenseurs, comme de 16, est bien mince, plaidant pour un manque de garantie réservé à n'importe quel citoyen. Les arguments n'émeuvent pas les députés. Le manque de grandeur les conforte dans leur choix. Le 20 janvier 1793, le Conseil exécutif vient signifier à Louis Capet le verdict. Lebrun, Grouvel, Santerre font partie des membres de ce conseil, mais c'est Garat, alors ministre de la Justice, qui déclare que Louis Capet est reconnu coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale. À une voix de majorité, les députés de la Convention nationale ont voté pour la mort du roi, dont le cousin de Louis, Orléans, que l'on appelle Philippe Égalité. Le roi demande alors un délai de 3 jours pour paraître devant Dieu, demande à voir sa famille et à ce qu'elle soit libre. Toutes ses requêtes seront rejetées,
hormis une seule, Louis Capet pourra dire au revoir à sa femme, à ses enfants et à sa sœur. Le valet Cléry raconta leurs adieux. À 20h30, le roi reçut sa famille qui se précipita dans ses bras. Pendant quelques minutes, ce fut le silence, entrecoupé de sanglots. Puis ils s'installèrent dans la salle à manger pendant 1h45, où le roi parla. À la fin, le roi leur promit de les revoir le lendemain, vers 7h. Mais la douleur avait été déjà si terrible cette fois-ci, que le 21 janvier, le roi se refusa à ses ultimes adieux. Après avoir remercié son valet Cléry en lui remettant un billet pour son fils et son alliance pour sa femme, à 9h du matin, ce 21 janvier 1793, Louis XVI partit donc de la prison du Temple, pensif, se retournant plusieurs fois dans la première cour vers la tour, puis dans la deuxième cour, il monta dans la voiture, faveur que lui avait accordée la Convention à la place de la charrette. Le convoi va éviter les rues trop étroites et emprunter les boulevards contrôlables, mais le trajet sera long, à cause de la neige fondue. L'abbé Edgeworth de Firmont, qui accompagne le roi, lui présente son bréviaire, afin que Louis Capet puisse réciter les psaumes le long de l'itinéraire. 12 000 hommes armés encadrent le convoi tout le long du trajet, et place de la Révolution, ce ne sont pas moins de 8 000 hommes fédérés bretons et provençaux qui sont déployés pour éviter les débordements. Louis Capet va attendre 5 minutes dans la voiture. Le bourreau Samson a été choisi pour l'exécution. Il est assisté de son fils Henri-François et d'un premier aide, Le Gros. La veille, le bourreau s'est fait donner absolution par un prêtre, comme il est de coutume. La guillotine a été vérifiée, les gonds, les portants et le montant. Et la lame a été aiguisée. Louis Capet sort enfin de la voiture, refuse qu'on le touche. Finalement, son confesseur de Firmont le convainc de se laisser faire. Il enlève son habit, se laisse lier les mains derrière le dos et se fait couper les cheveux. Il est 10h20 quand Louis Capet gravit les marches difficilement en s'appuyant sur de Firmont. Arrivé en haut de l'échafaud, Louis XVI s'échappa pour prononcer ces mots mémorables. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » En fait, peu de mots furent entendus par la foule, car tout se précipita. Le général Santerre fit rouler les tambours et le roi fut garrotté à la planche. Le couperet tomba. La tête de Louis XVI fut montrée à la foule qui cria « Vive la liberté! Vive la Révolution !» Des salves d'artillerie furent lancées. À la prison du Temple, Marie-Antoinette, qui les entendit, s'effondra. Marie-Thérèse Charlotte de France note « Nous eûmes toujours cette espérance jusqu'à ce que les cris de joie d'une populace effrénée vinrent nous apprendre que le crime était consommé. » L'exécution de Louis XVI fut-elle perçue comme un événement ou comme un simple épisode de la Révolution? Qu'un souverain soit exécuté, ce n'était pas une première. La décollation de Charles Ier d'Angleterre était un des régicides qui représentait un précédent bien éloquent. Mais avec Louis XVI, plus que l'exécution, c'est sa nature qui était inédite. Sur la place de la Révolution, c'est la monarchie française que l'on sape d'un coup. Le régicide supprime également la royauté. Le fait que cette exécution soit publique renforce ce caractère original. La guillotine, symbole d'égalité, peut trancher n'importe quelle tête, même celle du roi, qui n'est plus sacrée. Cet acte sanglant serait ainsi au fondement de la République. Pourtant, l'exécution du roi ne fut pas un véritable événement pour les contemporains, la prise des Tuileries ayant déjà réglé le sort de la monarchie. Robespierre évoque une exécution paisible. Sébastien Mercier, témoin de la scène, raconte comment le peuple, une fois la tête coupée, se rue sur les vendeurs de petits pâtés, comme lors des jours de fête. Même les premiers historiens de la Révolution, peu enclins à l'égard des révolutionnaires, comme Demestre ou Bonald, ne mettent pas l'accent sur la mort du roi. Elle n'apparaît pas comme une journée révolutionnaire. Alors, ce 21 janvier 1793, qui paraît susciter indifférence, représente-t-il pourtant un tournant? Sur le plan international, l'exécution du roi est loin de régler les problèmes de la Révolution française. La France est mise au ban des pays européens et l'Angleterre rejoint la coalition européenne quelques jours plus tard. Sur le plan intérieur, la tête tranchée de Louis XVI peut-elle être perçue comme le début de la terreur?
L'historiographie plaide à la fois positivement ou négativement pour cette thèse. Ce qui est sûr, c'est que l'exécution de Louis XVI renforce les conflits politiques entre Girondins et Montagnards dans la lutte pour le pouvoir, et qu'elle accentue la suspicion à l'égard de ceux qui n'adhèrent pas complètement au modèle républicain, évoluant ainsi vers le tribunal révolutionnaire et la loi des suspects. Les restes du roi Louis XVI furent transportés à l'ancienne église de la Madeleine pour un office. Puis le corps de Louis XVI fut jeté dans la fosse du cimetière de la Madeleine. Le 19 janvier 1815, avec la Restauration, les restes furent déterrés et placés dans la basilique de Saint-Denis.